nourriture. Voilà, ok, ferme ta goule, bonjour. Hey, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être ma vidéo favorite du moment. Donc, vous voyez, vous me retrouvez dans un nouveau décor. En fait, c'est juste mon bureau où j'étais et je filmais sur le canapé. Ben là, en fait, c'est juste le mur blanc qui est juste en face, donc voilà. J'ai décidé de vous filmer ma vidéo favorite car ça faisait un moment que je ne vous ai pas filmé favorite. Surtout, ne faites pas du tout attention à ma tête. Au moment où je tourne, il y a eu le changement d'horaire le week-end. Donc, on va tourner lundi. Et j'ai eu le changement d'horaire qui m'a complètement déboussolée. Je suis levée depuis 6h ce matin. J'ai dormi 4-5h. Donc, je suis usée. J'ai fait plus d'une heure de marche. Donc, voilà. Tout pour vous dire que je suis usée. Je suis claquée. Mais voilà. Vous inquiétez pas. Je suis comme vous. Je suis une fille lambda qui va en stage, parce que je vous parlerai de mon parcours scolaire, hein, je vous l'ai dit, mais moi je suis une fille qui va en stage, donc du coup je me lève à 6h, je rentre à plus de 17h30, le ménage, le linge, enfin, le repas pour le soir, voilà, c'est ma routine. Donc, enfin bref, trêve de blabla, on va passer au favori. Donc tout d'abord, en favori maquillage, je voulais vous présenter la Zoé Blava Blanc Fusion. Donc en fait, pour mon anniversaire, ma maman et mon papa, je leur ai demandé des palettes Zoéva. Donc j'ai eu 3 palettes Zoéva que vous connaissez, que je vous renvoie sur ma vidéo qui va se trouver, qui va, 1, 2, 3, sur ma vidéo qui va de mes cadeaux de Noël et d'anniversaire où je vous en parle. Donc pourquoi je vous reparle de la Zoéva Fusion? Parce que c'est celle que j'utilise le plus souvent dans mes make-up. J'utilise surtout ces 3-là. Voilà, ces 3, tac, 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 je les mélange, croque paupières, et soit celui-là ou celui-là que je mets en paupières mobiles. Et j'adore cet effet-là. Je mets un petit coup de crayon noir, de crayon marron dans la muqueuse et un coup de mascara. Et c'est vrai que j'adore, je le fais très très régulièrement. Et j'adore cette palette et j'aime ces couleurs neutres. Voilà. J'aime ces couleurs neutres de la palette. Ensuite, on va parler de l'hydratation. Pour l'hydratation du corps, je vous présente le Ritual of Ayurveda. Voilà, donc il se présente comme ceci. C'est un que j'ai eu dans la Birchbox ou dans la Glossybox et franchement j'adore son odeur. Le format est vraiment top pour essayer. C'est vrai que du coup, ça fait 3-4 dimanches que, même plus 5-6 dimanches que je le mets, quoi. Donc franchement, c'est cool pour l'hydratation du corps. Je l'adore et si je le trouve, je le rachète. Voilà, on n'est pas dans une vidéo produit terminé, voilà. Mais je vous le conseille, j'aime sa texture. Donc ils disent que c'est à Lydian Rose et Himalaya Honey. Donc rose des Indes et miel d'Himalaya, je pense que ça doit être ça. Franchement, il est top et j'adore son odeur et j'adore la texture et voilà. Et j'adore son rendu sur ma peau. Ensuite, je vais vous parler de ça. Pour tout ce qui est cheveux, le shampoing sec Baptiste. Donc, je l'ai comme ça et je l'ai en mini. Et en fait, pourquoi le shampoing sec Baptiste? C'est surtout celui-là en fait. Ce shampoing sec là que j'adore vraiment énormément. J'adore son odeur. Attendez. Voilà, j'adore son odeur et j'adore son rendu sur mes cheveux. Donc, c'est Douceur Orientale de Marrakech. Donc, si je ne vous le dis pas et que je ne vous le montre pas, ça va être compliqué. Hein, et franchement, il est top et je kiffe et j'aime son rendu et j'aime sa texture et j'aime tout dans les shampoings secs. Ensuite, tout ce qui est favori, démaquillant. Donc, j'ai 2 démaquillants à fond. Un à 10 euros, l'autre à 3 euros. Ah, 10 euros, 3 euros, 10 euros, 3 euros. Pourquoi je vous montre les deux? Parce que en fait, je les adore autant tous les deux, mais voilà. Je kiffe celui-là de chez le Bioderma, c'est le Sébum H2O, donc c'est l'eau micellaire nettoyante et purifiante. Donc c'est pour peau mixte à grasse, donc moi j'ai la peau mixte, sans rinçage, sans parabène et hypoallergénique, que j'adore beaucoup, sauf qu'elle coûte beaucoup, à coût de 10 euros, voilà, donc pour 10 euros pour combien de millilitres, je vous dis ça, pour 250 millilitres, donc c'est vraiment pas donné pour ce que c'est, mais franchement, elle fait le job. Du coup, comme on n'a pas tous les mêmes bourses,
Et moi aussi, il y a des mois où c'est mieux, il y a des mois où voilà, hein, on n'a pas tous les mêmes budgets, et moi, dont moi aussi. Je vous présente l'eau micellaire, donc c'est la peau sèche et sans tige, nettoie, démaquille et tonifie. Hypoallergénique, sans rinçage, sans parfum, testée. Testée sous contrôle dermatologique de 500 ml de chez Marc Robert. Elle est top, en plus c'est une énorme bouteille. Elle dure très longtemps, hein, vous voyez. Je l'ai achetée déjà il y a une semaine et ouais, regardez, j'ai que. Je ne sais pas si rien, mais voilà. Hop. En une semaine, j'ai utilisé que ça. Donc franchement, elle est top et franchement, je la conseille. J'aime son rendu. Elle me pique pas les yeux, elle me fait pas mal, elle me démaquille. Parce que moi, c'est surtout ça que je veux, c'est qu'elle me démaquille, qu'elle ne mérite pas la peau et que voilà. Et en plus, j'aime parce qu'elle a une odeur fraîche. Donc ces deux-là, je les adore et je vous les conseille. Ensuite, on va parler de l'hydratation. Mais des cheveux. Donc c'est la Professionnelle Sébastien Dark All. Donc c'est un format 95 ml que j'avais reçu dans une box, Birchbox ou une Glossy Box. Et en fait c'est une huile pour les cheveux que je mets en fait sur mes pointes. Je sais pas du tout combien tout coûte. J'ai reçu gratuitement. Elle s'en va pas du tout, du tout, du tout. Enfin j'ai reçu gratuitement. Stop. J'ai payé la box et elle était dans une box. Donc voilà, j'adore son rendu. Il n'en faut une pompe et tout pour. J'en mets qu'une pompe et franchement, ça me dure toute la journée. Et franchement, je l'adore. Et j'adore son hydratation. J'adore, ça me fait des belles pointes. Et franchement, j'en suis contente. On va parler de flop et après nourriture. Flop. Deux flops. Déjà, là, une laque de chez Evolutherm, franchement, elle est pourrie. Je l'ai trouvée chez Lidl pour chez Nose pour 2,20 €. Elle est nue. J'ai l'impression qu'elle me sèche, enfin, j'ai l'impression qu'elle me graisse les cheveux puisqu'elle me les fait tenir. Pourtant, il y a des fixations fortes. Franchement, c'est de la mouise. J'essaye de la terminer tant bien que mal. On est rendu là, mais bon, voilà. Là, ce week-end, enfin, alors que la vidéo sera postée, je l'aurai déjà passée. J'ai un oui à un baptême et je compte me boucler les cheveux. Et franchement, j'en ai racheté une parce que c'est là, c'est de la mousse, c'est de la mousse, c'est de la mousse. Et un autre flop, c'est le dope à la pistache. En fait, c'est pas vraiment un flop. Qu'on soit clair, c'est pas vraiment un flop parce que il fait son job. Il lave, il mousse et tout. Il sent bon. En fait, stop, il sent bon quand je fais ça. Ok, quand je fais ça sent le dope à la pistache et tout. Moi, j'adore la glace à la pistache. Pistache et cassis, c'est toutes les, c'est les. Dès que je prends des glaces, c'est celle-là. Non? Ok, elle fait le job. On est d'accord, il fait le job. Par contre, paf, je le mets sur mon gant. Il n'y a plus d'odeur. Ouais, voilà, je suis déçue. En fait, c'est moi, je suis déçue. J'adore la pistache. Et je me suis dit, quand je vais le mettre sur mon gant, puis quand je vais me savonner, voilà. Pff, voilà, ça va sentir la pistache. Et non, non, il sent pas la pistache. Donc, je suis vraiment déçue. Par contre, oui, là. Ok, il sent la pistache. Ok, pas fort, mais il sent la pistache. Pas une odeur entêtante, mais ça sent la pistache. Par contre, quand tu le mets sur tout moi, voilà, c'est de la dope. Donc, il est super bien. Voilà, il fait son job, il me lave. Mais, voilà, juste moi, je suis déçue que quand je me lave, je ne sens pas la pistache. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite, deux favoris. Nourriture. Voilà, ok. Ferme ta gueule, bonjour. Les galettes bio. De chez Bio Village, de chez Marc Repère. Je les adore. Je sais pas, ça se trouve, je vous en ai déjà parlé. Je les adore, je les mets surtout. Donc, je les mange avec du beurre et de la confiture, avec du Nutella, avec de la mayo et dessus, je mets des tomates. Je les mange avec du beurre et de la. Et du blanc d'Inde ou avec du poulet, avec du jambon blanc. Je les mange trempés dans la compote. En fait, ouais, je les mange avec tout. J'en achète, j'étais à un paquet, maintenant j'en achète entre un et deux paquets par semaine. Et franchement, je les kiffe, je les mange tout le temps. Deux galettes, 60 calories, donc niveau calorique que dalle. Ah oui, je les mange même avec mes Saint-Morey, qu'est-ce que je me mange quand je prends du fromage, je mange avec mes morceaux de fromage. Donc un cœur de lion, des boursins, tartare aux noix, enfin voilà, je les mange avec tout et franchement, je l'adore vraiment, j'adore son goût, j'adore sa texture, j'adore ça et voilà. Et en plus, ça vaut 80 centimes le paquet. Et un autre, c'est le jus d'orange de chez Joker. Un jus d'orange, franchement, qui est top, top, top.